s'agit donc pour les soldes, la chasse aux bonnes affaires. La chasse aux bons plans. Solène, ça marche encore ou c'est bof-bof les soldes? C'est vrai qu'on pourrait croire que les soldes seraient en sérieuse perte de vitesse face à la multiplication des périodes de promotion entre le Black Friday, le Cyber Monday et puis les ventes privées également. Et pourtant, pas tant que ça. Regardez, selon ce sondage d'InVibes Advertising, pour 61% des Français, les soldes restent toujours aussi importants, malgré la crise sanitaire. D'ailleurs, plus de la moitié a l'intention de faire des achats pendant ces soldes d'hiver. Et vous, tiens, est-ce que vous allez faire chauffer la carte bleue? Oui, comme chaque année, je fais les soldes. Je vais pas faire du shopping pendant les soldes. Peut-être. Enfin, c'est toujours une bonne surprise de faire du shopping et de tomber au moment des soldes. Il y a des articles en particulier qui ont la faveur des Français, de ceux qui nous écoutent. Eh bien justement, Suzanne Prez et Marine Truchot vous ont demandé à vous ce que vous comptiez acheter. Et souvent des chaussures, parce qu'en général, c'est un peu le seul moment où il y en a des un peu moins chers. Une veste. Tout et n'importe quoi. Je vais m'acheter des habits, des robes, des chaussures. Bon, on est quand même majoritairement sur des articles de mode, des vêtements. Tiens, autour de ce plateau, petit sondage, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez acheter pendant les soldes ou alors vous êtes plutôt du genre à flâner puis acheter un peu ce que vous trouvez? Des chaussures. Des chaussures. Ouais. Moi, un plat à tagine. Hein. Ouais, j'ai beaucoup envie de me lancer dans cette. Pourquoi cette pas? Ils font des soldes sur les plats. Bien sûr. Ils font des soldes surtout. Bon, ça nous emmène tout droit justement vers la nature. Il y a pas des présentateurs en solde. C'est sympa. Il n'y a pas besoin. Mais voyons, Pascal. Il n'y a pas besoin. On a tout ce qu'il faut. Mais je vous garde. C'est sympa. Bon, ça te dit qu'on regarde un peu la nature des achats réalisés pendant les soldes justement. Une majorité de ces achats, 52%, sont programmés. On sait ce qu'on veut acheter. On y va pour ça. En plat. Tadjine, par exemple. À l'inverse, 48% des achats sont impulsifs. On se dit, bah tiens, elle est sympa cette petite veste dont j'ai pas du tout besoin. Je vais l'acheter, pourquoi pas. Concernant maintenant le profil des shoppers, regardez, 45% d'entre eux sont des acheteurs occasionnels. 28% se disent opportunistes, c'est-à-dire qu'ils recherchent vraiment les bonnes affaires. Et puis 12% se considèrent carrément comme des addicts au shopping. Il y a des shopping addicts sur ce plateau? Alors, quels sont les critères qu'on regarde le plus? Le critère qu'on regarde le plus quand on fait les soldes, assez logiquement, c'est le prix du produit, pour 48% d'entre nous. Viennent ensuite dans l'ordre, regardez, le Made in France, ça c'est spécialement pour toi Pascal, puis le produit en lui-même, et puis enfin les engagements écologiques et éthiques des marques. Alors la question la plus importante pour terminer, celle qui va vraiment, vraiment déterminer la tournure de ces soldes d'hiver, c'est quand même celle-ci, quel est votre budget? Pas plus de 300-400 euros. 250 euros? C'est par rapport aussi au coup de cœur. Si j'ai un article qui est à moins 50% et qui est à peu près 300 euros, je le prends. Nos limites. À nos limites, c'est pas mal ça quand même. D'ailleurs, en parlant quand même de coup de cœur, comme cette jeune fille le mentionne, près de 8 Français sur 10 se disent prêts à acheter un produit non soldé s'ils flashent vraiment dessus. Exactement. C'est ça le problème. Mais dans les soldes, ça, c'est qu'en plus c'est mélangé, c'est très proche dans les tout rayons. Ce qu'on aime n'est pas soldé, évidemment. C'est pas mal là-bas. Oui, mais c'est pas en solde. C'est pas soldé. Il n'y a pas l'étiquette. Mais ce qui est important, c'est avec qui on fait les soldes aussi. Oui. Parce que Solène, savoir pas qui te paye les articles. Pas du tout. Non. C'est aussi un après-midi entre copines, les soldes. C'est la bonne occasion. Si tu veux me payer des articles. Par moi, contre, entre Solène, copains. On n'a pas avancé sur le dossier présentateur soldé. Non, mais je. On ne sait pas où on peut les trouver. On va y réfléchir. Exactement. Les soldes trouver, dépassés. Trouver moins cher que toi, ça va être dur quand même. Ah oh moi, il faut le pas. Bon, merci Solène. Le meilleur rapport qualité. Bah voilà. Il est là. Il est là. Dans notre actualité également, Hélène, il y a la 33e édition de l'opération Pièce jaune qui démarre donc aujourd'hui. Oui, à cette occasion, Brigitte Macron sera l'invitée du 13h de TF1 aujourd'hui. La première dame et la présidente de la Fondation des hôpitaux. Ce rendez-vous annuel existe depuis plus de 30 ans et il a permis de financer 9200 projets dans le milieu hospitalier, notamment pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Reportage Marie-Laure Bonnemain. Dans cette salle de sport, inaugurée en octobre dernier, les jeunes patients peuvent, après une consultation ou lors de leur hospitalisation, avoir une séance d'activité physique adaptée. On se base sur la pathologie de l'enfant et aussi sur l'envie de l'enfant, surtout. Et de voir son enfant oublier sa maladie, cela n'a pas de prix. C'est hyper important de penser à autre chose. En fait, quand on vit que dans la maladie, c'est hyper pesant. Donc, quand on vient à l'hôpital, s'il peut venir faire un petit tour dans le gymnase, il le fera, hein. Pour moi, c'est bien le sport avant tout. Même quand t'es bien, faut en faire un peu. On a des études qui montrent qu'il y a vraiment une plus-value en termes d'acceptabilité du soin, en termes d'efficacité des mesures thérapeutiques. On a moins d'effets secondaires, par exemple, sur les traitements, et en même temps sur la qualité de vie, et puis de redonner un petit peu confiance aux jeunes dans leur capacité corporelle.
Et en plus de ce gymnase, les pièces jaunes ont permis de financer il y a 2 ans un mini-golf. Et oui, une première en France. Une bonne façon de s'aérer en mouvement avec sa famille, sans quitter l'hôpital. Voilà, Anne Barrère sera notre invitée, la vice-présidente de cette fondation des pièces jaunes un peu